IPv4, on ne va pas le voir en détail, hein. Vous l'aviez vu l'année dernière en RES 302, donc, ou cette année avec Nicolas Montavon. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est plutôt, on va se focaliser sur IPv6. Et donc, le plus grand changement entre IPv4 et IPv6, c'est qu'on va quadrupler la taille de l'adresse. Donc, quadrupler la taille de l'adresse, ça veut dire que l'on va multiplier par 2 puissance 96 le nombre d'adresses possibles. Donc, ça vous rend des nombres importants, on en rediscutera par la suite, mais c'est à peu près chaque terrien devrait avoir 60 000 milliards de milliards d'adresses pour lui, comparé à ce qu'un Chinois à l'heure actuelle ou un Indien qui est de 0,001 adresse par Indien. Donc, ce qui fait que, comme on a un nombre considérable d'adresses, mais on va plus avoir des problèmes de NAT. On devrait plus avoir de problèmes de NAT. On va voir que c'est pas si vrai. Il y a des solutions qui vont nous réintroduire des traductions. Mais donc, c'est un argument pour dire on va pouvoir avoir un adressage stable dans le temps. Et en plus, qu'on aura, et l'autre argument aussi important, c'est qu'on n'arrivera jamais à une pénurie d'adresses. Parce qu'il y a 30 ans, quand IPv4 est arrivé, on s'est dit, sans ordinateur connecté à l'Internet, donc même si on fait les prévisions les plus folles, on n'arrivera jamais à 4 milliards de machines connectées au réseau. Je crois qu'on en est à 18 milliards à l'heure actuelle ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui fait que on ne peut pas imaginer le futur. Donc, peut-être que vous aurez besoin de 200 ou 1000 adresses dans 20 ans pour vous rester connecté à Internet. Ou plus. Donc, est-ce qu'on est tranquille avec 2 puissance 128? Ben, comme je disais tout à l'heure, 2 puissance 128, c'est un nombre considérable. C'est à peu près équivalent de 10 puissance 34. Et donc, normalement, on adresse plus de. On a plus d'adresses que d'électrons ou de photons dans l'univers. Enfin, des arguments aussi stupide, mais ce qui veut dire que derrière, eh bien, l'adressage est quasi illimité. Donc ce nombre-là fait comme si on avait des adresses de taille infinie, parce qu'on peut tout numéroter avec. Alors on verra par la suite qu'on va gaspiller quand même pas mal, et en gaspillant, ben, on va retourner vers une simplification de gestion qu'on avait perdue en IPv4. Donc ça doit faire baisser les coûts d'exploitation. Et puis l'autre avantage, c'est comme on peut gaspiller, eh bien on peut auto-configurer. Chose qu'on ne savait plus faire de manière facile en IPv4. Alors en IPv4, vous aviez DHCP qui vous permet de gérer automatiquement des pools d'adresses, mais il fallait gérer quelque chose. En IPv6, on va arriver vers des mécanismes d'auto-configuration. Alors en fait, ce n'est pas une avancée, puisqu'on avait déjà ça dans IPX, vous savez, le premier protocole qu'on avait dans les réseaux, et qui avait été balayé par IP. Donc 30 ans après, IP arrive en disant, bah, je sais faire ce que sait faire IPX il y a 30 ans. Donc on va revenir à ça. Mais l'autoconfiguration, c'est bien pour les machines. Alors, on verra si un administrateur système veut aller dans ce sens, parce que lui, il est habitué à tout gérer, à tout contrôler depuis son ordinateur sur son bureau. Savoir que dans le réseau d'entreprise, les machines font ce qu'elles veulent, ça le fait un peu paniquer. Donc, l'autoconfiguration pour. Alors, chez vous, pour Madame Michu ou pour la mamie du Cantal, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'elle va pouvoir mettre des choses en réseau sans trop se casser la tête. Dans l'entreprise, c'est pas certain. Mais il y a un endroit où l'autoconfiguration est très intéressante, c'est l'Internet des objets. Parce que configurer un ordinateur, ce n'est pas dur. Vous avez un écran, vous avez un clavier et vous tapez une adresse. Quand vous avez une ampoule électrique, quand vous avez un interrupteur, si vous deviez la configurer à la main, eh bien, ça deviendrait très compliqué. Donc là, l'autoconfiguration est un avantage énorme pour ce genre d'applicatif. Alors, ce qu'on verra aussi au niveau d'IPv6, c'est qu'on va avoir une simplification de l'entête.
C'est-à-dire qu'on va enlever des champs, donc IPv6 va être plus simple qu'IPv4. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un routage le plus simple possible dans le cœur de réseau, et toute la difficulté, le reporter sur la bordure du réseau. Alors ça, c'est bien, ça fait pas mal de choses. Alors les opérateurs n'aiment pas trop ça, parce que si on donne tout le contrôle en bordure, eh bien, on arrive moins bien à contrôler ce que fait le client. Donc, ce n'est pas non plus l'argument qui va faire vendre le réseau. Alors, les adresses permanentes, c'est bien. Ça vous permet de joindre n'importe qui sur Terre. Mais ça permet aussi aux méchants de joindre n'importe qui sur Terre. Donc, il va falloir derrière avoir des mécanismes de sécurité qui bloquent le end-to-end. Mais là, on arrive à une conception de réseau qui est plus intéressante. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un réseau IPv4, vous allez vous retrouver à des endroits avec des NAT. Et les NAT, c'est très compliqué. Par exemple, quand vous faites de la voix sur IP, on a un peu parlé tout à l'heure, le NAT, c'est une horreur. Et donc, quand vous arrivez sur un réseau, votre réseau est partitionné par son historique. Et donc, c'est très dur de poser un service dessus. Si on se retrouve avec du end-to-end partout, eh bien, on va avoir une plus grande facilité pour déployer le service, mais par contre, on est capable de construire autour une frontière pour éviter que d'autres personnes qui sont étrangères au service accèdent à votre partie du réseau. Donc, ça veut dire que le end-to-end, ça ne veut pas dire que tout le monde va être frère avec tout le monde et tout le monde va s'échanger des informations, mais qu'on va pouvoir déployer des services beaucoup plus facilement et qu'on va pouvoir ensuite restreindre le end-to-end pour augmenter la sécurité. Donc l'argument de dire end-to-end IPv6, c'est génial, c'est vrai, mais il y a quand même quelques bémols derrière. Alors, qualité de service, ça, c'est une grosse bêtise. Il n'y a pas de qualité de service en IPv6, ou il y en a autant qu'en IPv4. C'est-à-dire très peu. Donc, on ne va pas rentrer à me dire qu'IPv6 va améliorer la gestion de la qualité de service. Vous verrez dans les cours avec Géraldine Texier des architectures comme DiffServe ou avec MPLS, comment on peut réserver de la bande passante dans des cœurs de réseau, où là on appliquera les mêmes principes entre IPv4 et IPv6. Donc cet argument de qualité de service, on l'entend beaucoup moins, mais au début d'IPv6, c'était présenté comme un avantage majeur. Alors, c'était lié à l'époque, dans les années 80, vous aviez une guerre entre les téléphonistes, genre France Télécom, qui ne croyaient qu'à ATM. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des cours sur ATM. Ouais. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire « a terrible mistake ». Et donc, ATM, c'était l'idée où on va avoir des flux et on va contrôler ces flux en mettant différentes classes de services, en ayant de la bande passante réservée, en gérant finement le multiplexage entre les flux dans les commutateurs. Et ça s'est avéré trop compliqué. Donc IP, lui, a une autre approche, c'est de dire, au lieu de gérer les flux de manière individuelle, on va les agréger et on va gérer, par exemple, dans un réseau, la qualité de service, donc la bande passante allouée, à un agrégat de flux. Donc de cette manière-là, on ne manipule plus le flux directement, mais un agrégat. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc ça, c'est une possibilité, mais elle est identique en V4 et V6. Mais à l'époque, IPv6 a dit, nous, on sait faire de la qualité de service, ce qui a fait beaucoup peur à ATM, et donc ATM a disparu. Alors, un meilleur support pour la mobilité. C'est vrai, et je ne vais pas trop dire de mal de la mobilité, sinon Jean-Marie Bonin va me tuer. Donc vous allez voir des cours sur Mobile IP. Donc ça va être un moyen de mieux gérer la mobilité IP. Vous avez des opérateurs dans 3GPP2 qui vont utiliser les techniques IP pour gérer le réseau. Vous avez Proximip qui vous permet de mieux gérer la mobilité également. Donc vous avez des fonctions,
Mais pour l'instant, elles sont plutôt dans les laboratoires, plutôt dans les centres de recherche, que vraiment en production. La mobilité IP mobile de base n'est pas déployée parce que ça vous crée des contextes à peu près partout et pour l'instant, les applications que l'on veut utiliser n'en ont pas besoin. Donc ce qui fait que la mobilité, bah, vous la verrez très peu aussi dans les réseaux de production actuels. Enfin, dernier argument, bah, IPv6 c'est mieux parce qu'il y a IPsec. Donc, je ne sais plus qui voulait faire. Il y a un sujet justement sur les études de la sécurité d'IPv6. Donc, IPsec c'est bien, ça permet de chiffrer, mais derrière, il faut distribuer les clés de chiffrement. Et c'est le même problème en IPv4 et en IPv6 d'avoir des bonnes méthodes pour attribuer les certificats. Donc, ce n'est pas vraiment un atout en faveur d'IPv6. La seule chose qui peut être un atout, c'est qu'en fait, l'IPsec que vous avez en IPv4 a été repris de l'IPsec qu'on avait en IPv6. Et donc, on va évidemment avoir les mêmes choses, mais ce n'est pas un réel avantage au niveau d'IPv6. Donc vous voyez, pour vendre IPv6, c'est pas simple. Il n'y a rien. On fait tout bien en IPv4. Donc la seule chose qui. Donc le seul avantage, c'est l'autoconfiguration, qui est liée à un espace d'adressage beaucoup plus grand. Donc c'est pas très sexy. Alors, normalement, l'IETF pensait que le marché était rationnel. Et donc en 1993. L'IETF a vu qu'il y aurait un problème au niveau de l'adressage et avait même dit à l'époque, en 2012, on aura un problème avec les adresses. Alors, je ne sais pas combien de fois ils se sont trompés pour arriver à ce que le résultat soit exact, mais c'est vrai qu'en 2012, on a donc un problème avec les adresses. Mais l'IETF avait dit, donc l'organisme qui standardise Internet, avait dit, bah, avant qu'on ait ce problème, on va passer à une autre version du protocole. Et cette nouvelle version du protocole va nous permettre d'éviter le problème. Donc ça, c'était une démarche rationnelle. Mais le marché en a décidé autrement et le marché a dit, bah, tant qu'IPv4 marche bien, j'ai aucune raison de passer à IPv6. Et IPv4 marche toujours très bien à l'heure actuelle, même si on n'a plus d'adresse. Donc on n'a aucune raison de passer à IPv6. Même pire, si vous faites un jeu vidéo, vous allez passer énormément de temps à manipuler le NAT traversal. Donc c'est énormément de lignes de code, parce que tous les NAT ne fonctionnent pas de la même manière, et donc vous allez avoir à faire plein d'astuces réseau. Donc, vous pourriez dire, IPv6, c'est génial, moi je veux mettre mon jeu vidéo en IPv6. Mais le problème, c'est que comme vous n'avez pas d'opérateur qui offre IPv6, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous l'adaptez à IPv4. Donc vous mettez énormément de lignes de code pour arriver à ce que ça marche en IPv4. Et comme ça marche en IPv4, bah, il n'y a pas de besoin d'IPv6. Et donc, on se retrouve dans ce cercle vicieux où, bah, tant que ça marche, on ne va pas passer dans l'autre version du protocole. Alors ça, c'était vrai jusqu'à l'année dernière, parce que maintenant, bah, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus d'adresse. Et en particulier, il y a un argument qu'il faut éviter, c'est de dire, bah, moi j'ai plein d'adresses. Moi j'ai ma classe B, donc pas de problème, je pourrais toujours utiliser mes adresses pour numéroter mes machines. Donc IPv6, j'en veux pas. Sauf que derrière, bah, IPv6, c'est pas que vous, c'est l'autre bout. C'est-à-dire que si en Asie, il n'y a plus d'adresses IPv4, et que vos correspondants sont en IPv6, bah vous allez avoir besoin d'IPv6 pour dialoguer avec eux. Et donc, il ne faut pas penser qu'à son extrémité, il faut penser donc à l'évolution du réseau mondial. Alors, on verra ça dans la suite du cours, hein, quand on regardera plus en détail la transition ou l'intégration d'IPv6 dans IPv4. Mais, donc, il faut pouvoir avoir des endroits dans son réseau d'entreprise où on passe en IPv6, mais d'autres endroits, là où ça marche bien, c'est pas la peine de se casser la tête à passer en IPv6. D'abord, ça sera moins bon, parce que vous aurez des équipements qui sont moins matures qu'en IPv4, donc vous risquez d'introduire des problèmes.
Et donc un ingénieur système, s'il introduit des problèmes dans la boîte, il se fait virer. Donc il a intérêt de rester sur le statu quo et dire bah, moi je continue en IPv4 parce que ça marche bien. Donc il faut bien connaître les limites, savoir ce qui peut bien fonctionner, ce qui peut mal fonctionner, et les endroits où on a réellement besoin de passer en IPv6. Donc ça, on verra ça la semaine prochaine. Et donc on va s'arrêter sur ce slide.